Alors bonjour Valmont, bienvenue à cette deuxième émission. Bonjour. Donc on va revenir tout de suite sur le tableau sur lequel on a terminé la semaine dernière, le tableau expert. Peut-être nous résumer les trois premiers qu'on avait fait en fin d'émission. OK. Ici, on a parlé du slalom à travers les combes. OK, vous le faites quelques fois. Vous savez quand est-ce que vous commencez à être réchauffé. La deuxième, c'était les courses de tortue. La lenteur. La lenteur. Très lentement, le secret, regarder au loin et avancer en déclenchant et en freinant. On était rendu à celle-là, je crois, la semaine passée. Oui. Le premier set qu'on fait, c'est vers la gauche. Vous le faites à la grandeur que vous voulez. Essayez pas de virer sur le 10, comme on dit. Commencez avec des grands. Et encore là, c'est en déclenchant. Et vous tournez, et vous tournez. Celui-là, vous voyez, je l'ai indiqué, c'est vers la gauche. On commence par la gauche. Parce qu'en moto, ça tourne toujours plus facilement du côté gauche que la droite. C'est ça. C'est ce qu'on découvre. Pourquoi? Parce que la cloche est à gauche. Lorsque vous faites vos virages à gauche, votre main s'en vient vers vous. Alors que lorsqu'on va faire vers la droite, tantôt, la cloche est rendue là. OK, je comprends. C'est plus difficile. OK. Il reste que ça, pour un usager qui commence, ça doit être ça qui est le plus difficile, de pencher la moto, tout ça. Effectivement. C'est ça, effectivement. Hein? Mm. Oui, c'est... Au départ, c'est un exercice que normalement les hommes devraient avoir un petit peu moins de difficultés parce que même si on n'a pas besoin de la force, on travaille avec les transferts de poids, notre force est là et on se dit bon, je vais le retenir, je vais être capable. Alors qu'une femme qui est tout petite, elle ne peut pas compter sur sa force, elle compte juste sur la technique et puis. Les femmes l'apprennent. Souvent, il y a des femmes qui vont l'apprendre, puis eux autres, ils inclineront pas nécessairement beaucoup, mais ils le font en équilibre. Okay. Et ils l'ont tellement fait souvent ou pratiqué qu'en équilibre, ça va très bien aussi. Ils réussissent à faire la même chose. On peut dire qu'il y a deux méthodes. Je ne sais pas si on va en parler plus tard, mais tu parles du transfert de poids. Est-ce qu'il y a une technique, justement, pour... Non, ça, non, ça, il faut le pratiquer, ça se vit, ça. Okay. Tu sais, l'instructeur va te le dire, bien là, regarde, fais ton contrepoids, là. Normalement, le contrepoids se fait avec le haut du corps. C'est ça que tu envoies dehors. Un peu comme ceux qui sont... Ils travaillent à... Il marche un fil de fer avec une perche, là. C'est les extrémités du poids de la perche qui fait qu'il te garde au centre. C'est un petit peu ça. Mais ça, il faut le pratiquer puis le réexpliquer. Juste en théorie, comme ça, de même, si vous portez dehors, vous essayez ça, ça n'en fait beaucoup. Le contrepoids, le déclotchage, donner un petit peu de gaz parce que vous avez déclotché, elle va moins vite à ce moment-là. Ouais. Fait que vous êtes obligé de donner un peu de gaz, puis... Le frein, un petit coup, ça fait beaucoup de choses. Il faut le pratiquer. C'est pour ça que les exercices sur le stationnement. Fait que lorsque vous avez terminé de faire celui à gauche, ben vous faites celui à droite. Vous allez déjà voir que c'est différent. OK. Notre quatrième exercice, ça, les lignes que vous voyez ici, c'est un stationnement de centre d'achat. Parfait. Vous y allez avec votre moto, puis vous voyez à quoi que ça peut ressembler. Essayez de faire ça. Qu'est-ce que ça pratique, celui-là? C'est un ajout aux autres choses qu'on vient de faire. Okay. Le virage ici, là, il est plus prononcé. C'est le rond, là. Okay. Celui-là, c'est ce rond-là. Okay. C'est toujours la combinaison frein, clutch, inclinaison. Transfert de poids aussi, j'imagine, là? Bien, le transfert de poids, effectivement. Ouais. Celui-là, ça le prend parce qu'on ne va pas. On va pas aussi lentement que celui-là. Parce que celui-là, au contraire, on va déclocher pour lui donner un petit air d'aller ici pour tourner. OK. Petit air d'aller pour y aller. Fait qu'il faut déclocher. Encore là, il faut pratiquer. Moi, le dessin que j'ai fait, il se faisait très bien il y a plusieurs années. Les espaces de stationnement étaient plus larges. Oui, oui. Mais deux pieds de plus, ça fait une grosse différence. Mais le principe, c'est ça. Si ça ne fait pas à tous les stationnements, sautez-en. Vous le faites. Puis s'il n'y a pas de stationnement, vous avez compris le principe. Faites-vous un dessin, là, comme on dit, puis vous faites ce genre de serpentin-là, mais il est plus grand. Mais j'imagine qu'il faut être bon dans le numéro 3 avant de faire le numéro 4, ou... Ah, bien, ceux-là, non, ceux-là sont plus difficiles. Ceux-là, ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement... ils ont des particularités. On est rendu à l'autre, je vais vous expliquer l'autre. Oui, oui, oui. C'est ça. Ils ont tous quelque chose de difficile, là. Okay. C'est de la technique dans tout, puis comme je vous ai dit... Peu importe si un motocycliste, ça fait 10 ans qu'il fait de la moto, s'il n'a jamais fait des exercices de même, là, voilà, plutôt, il y a un petit souper, là, tu sais, là. Il y a un petit souper, là. Oui, oui. Ah, gagez-y un McDo, là, comme on dit. Moi, ça arrive plus souvent que je gage un McDo qu'un Laurie Raphaël, là. Ouais. Je n'ai jamais gagé de Laurie Raphaël. OK? Bon, celui-là, ici, c'est pour pratiquer nos freinages brusques.
OK. Si on pratique jamais ça, un freinage brusque, à un moment donné, on va en avoir besoin. Ça aussi, il faut le pratiquer. Et puis, non seulement vous le pratiquez souvent, mais à la fin, lorsque le lendemain, je m'en vais faire changer mon pneu dans l'arrière, bien là, j'en profite pour lui donner un petit coup. Okay. C'est le temps de l'user jusqu'à la fin, là, parce que là, je vais en mettre un peu plus. Fait qu'en fait, c'est ça. Vous déclutchez, vous restez en première vitesse, là, pour commencer. Première vitesse, vous lui donnez un air d'aller, et puis là, vous freinez. Vous pouvez freiner juste avec le frein arrière, une couple de fois avec le frein arrière. Après ça, vous le refaites, puis là, vous freinez avec vos deux freins, le frein avant. Parce que l'efficacité d'un système de frein de moto, c'est 70 % à l'avant et puis un 30 % à l'arrière. La roue avant a beaucoup plus de grip, nécessairement. Notre transfert de poids s'en va sur les guidons. On y met du poids, il y a de la ça mord. Alors que l'arrière de la moto se soulève, ça a moins d'efficacité pour les pneus. Fait que l'efficacité des pneus de moto, c'est la roue d'en avant qui donne plus d'efficacité. L'idéal, c'est d'apprendre à freiner avec les deux en même temps. Ouais, aujourd'hui, tu as des systèmes ABS qui appellent. Ça répartit équitablement le freinage. C'est un gros plus. Fait que vous pratiquez ça, mais c'est pas évident. Mais c'est quand pas évident. Quand on freine juste en avant, j'imagine qu'il doit y avoir un petit... coup par en avant? Ah oui, ça pousse, oui, là. Ça. Non, vous l'apprenez vite. Mais justement en le pratiquant comme ça, vous allez vous apercevoir qu'à un moment donné, qu'il faut que vous vous redissiez les bras. Ouais, c'est ça. Si vous ne l'avez jamais fait pratiquer des freinages brusques, vous allez arriver, puis ce jour-là, ça va le faire. Puis peut-être que les bras vont venir mou de même, là, tu sais. Mm. Déjà, vous allez avoir le réflexe que quand tu freines en avant, il faut que tu aies les bras au maximum, parce que, oh oui, ton corps, il va vers l'avant. OK. Puis en arrière, ça fait quoi? On a-tu tendance à glisser? Bien, je vais vous dire que les petites expériences que j'ai eues de ça, là, quand tu as besoin de freiner brusquement, là, oui, c'est parce que tu as une très grosse surprise, oui, ce que tu ne seras pas supposé avoir, ou que tu en as échappé une à quelque part. Moi, je me souviens des fois que ça m'est arrivé, là, carrément faire couper. Là, un kiosque à légumes à Neuville, j'oublierai jamais celle-là. Là. Il avait sorti, là, puis quand tu... Puis là, tu freines avec la peur. Là. C'est plus contrôlé. Là. Non, c'est ça. Ta cote au maximum, puis je me souviens que les pneus avaient crissé. Et puis, les pneus ont crissé, puis après ça, c'est moi qui ai crissé. Mais j'avais fini avec un contre-braquage pour passer en avant. Là, parce que j'ai rentré à ça n'importe, là, je n'avais pas assez long. Ouais. Mais tout ça dure une demi-seconde. Non, c'est ça. Ça, c'est des secondes qui sont longues dans la vie, là, puis t'as chaud. Mm. Mais parce que normalement, un freinage brusque, c'est pas supposé arriver. OK. Mais maintenant, je vous parlais des nouveaux pièges qu'il y a, là. Mm. Il y en a un qui s'appelle le chevreuil, là. Ah oui, c'est vrai. Ouais, dans le temps, c'était juste un raton laveur de temps en temps, puis tu passais sur un, c'était pas si mal. Mais un chevreuil, c'est triste. Ça fait 10 ans. C'est régulier. Mm. C'est régulier. Si vous faites moindrement kilomètre là, dans l'été, vous allez sinon en voir, puis sinon en frôler un. Ah, j'ai eu, ouais, l'année passée, j'ai eu une expérience. D'habitude, je les voyais passer. Il était loin, je freinais. Mais là, celui-là... Il était plus proche que vous. Oui, ben moi, en fait, je ne l'ai jamais vu. Là. C'est ma blonde qui dit qu'il y avait eu un chevreuil parce qu'elle me donnait des petits coups de poing l'un côte. Là. Mm-hmm. Et puis, moi, je ne l'ai jamais vu là, parce qu'on ne l'a jamais vu. Il y avait des autos de l'autre bord. On sortait d'une paroisse sur la rive sud. Et puis, le chevreuil a passé... Par après, là, on se passe le film, là. Il a passé entre les autos qui s'en allaient en sens contraire. Il s'est même mis la tête entre moi et ma conjointe. Il rentrait ses briques, comme on dit. La tête qui est rentrée entre nous deux, moi je ne l'ai jamais vue, mais elle a paniqué. Il s'est levé la tête parce qu'elle l'a dit qu'elle avait vu la face comme il faut. Il ne l'a pas accroché. Moi j'ai un tourpack en arrière, la grosse moto. Il ne l'a pas accroché. Puis il a sauté par-dessus ma remorque. Oh. J'ai vu ça 10 minutes après quand j'ai arrêté. Il y avait un coup de patte là, qui avait égratigné. Mais tout ça, ça a duré un quart de seconde, une demi-seconde. OK. Justement, on parle un petit peu des chevreuils. On sait qu'il y a des sifflets qui existent. Est-ce que ça pourrait être mis sur une moto? Il y en a qui en ont régulièrement. Moi, j'en ai mis. Des fois, j'en ai. Des fois, j'en ai pas. Je lave souvent ma moto. Le bad luck, c'est que je l'arrache. Oui, il y en a qui... Ça se colle à la roue? Ça se colle avec... c'est une colle. On enlève le papier, là, puis c'est en plastique. On colle ça sur la roue avant. OK. Oui.
Vous allez probablement me demander si c'est bon. Je ne peux pas vous le dire. Il n'y a pas personne, dans le fond, qui peut le dire, c'est bon ou c'est pas bon. Tu sais. Ouais, ouais. Mais si ça marche avec la confiance, ben tu peux en mettre un. Tu sais, c'est un plus, sûrement. Mais c'est-tu bon ou pas bon, je ne peux pas vous le dire. Dans l'incertitude, c'est mieux d'en faire plus. Oui, c'est mieux d'en faire plus. Ça coûte pas cher, là. Il y a des fois, tu as ça chez Dollarama. OK. Juste à revenir au freinage, vous avez parlé tantôt des freins ABS. Qu'est-ce que ça vous aide comme... Est-ce que ça vous aide comme motocycliste, les freins ABS? Je peux pas te répondre à cette question-là. OK. Je vais te dire, j'en ai pas eu de moto avec un ABS. OK. Je l'ai déjà essayé avec une automobile. Oui. Puis j'ai trouvé ça, bon... mes premières expériences d'hiver avec un ABS, je n'avais pas été enchanté. Okay. Parce que la surface fait un stop au coin de la rue. Et puis, je passais jamais tout droit. Là, depuis le temps que je conduisais, là, même si c'était lissant, je m'arrêtais tout le temps. Puis avec l'ABS, là, il travaille, puis oups, j'avais fini 7-8 pieds trop long. Je n'avais pas aimé ça. Okay. Par contre, lorsqu'on a fait des essais, parce que j'ai eu la chance de suivre des cours de technique de conduite avancée, parce que de par mon travail, je travaillais à l'unité d'urgence. Et puis, à l'occasion, bien... lorsqu'il y avait des dignitaires étrangers qui venaient, ou même à l'occasion, j'ai eu la chance de conduire le premier ministre. Bon, on suivait un cours de technique conduite avancée à Sanaire. Okay. Et puis, la journée, une journée, entre autres, on avait eu des gros orages. C'était fantastique. Fait que là, à Sanaire, on l'essayait dans le plancher, comme on dit. Là, tu montes ça, ça au maximum. Et puis, le freinage, là, avec l'ABS, là, ça travaillait. Hein. Ceux qui l'ont essayé, bang, 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 mais ça va en ligne droite. Okay. Et puis par après, j'ai pris une autre sorte de véhicule qui n'en avait pas, puis j'appliquais ma technique de conduite que j'avais toujours faite, là, y compris l'embrayer sur le lot là, pour qu'à un moment donné, il tombe sur la compression. Puis je passais tout droit, là, j'allais beaucoup plus loin. L'ABS, c'était fameux. La moto, je n'en ai pas conduit avec un système ABS. De toute façon, on va s'en reparler aussi du freinage, surtout avec l'appui. On a un chapitre sur l'appui. Là, je pense qu'on va y revenir tantôt. On va aller à notre dernier exercice. Lui m'intrigue. Je ne sais pas trop qu'est-ce que vous voulez qu'on celui-là fasse. Ici? Oui. Bon, ben, celui-là, tu roules en ligne droite, première, deuxième vitesse. Et puis, là, ton freinage que tu as appris, tu le fais. Tu freines, tu arrêtes, tu mets tes deux pieds par terre. Et tu rembrayes et tu pars à gauche en premier, plus facile, à droite après, okay? OK? Quelques fois comme ça. Après ça, tu fais encore la même chose, un petit peu plus vite, puis tu peux shifter, monter en deuxième. OK. OK? Puis là, lorsque tu es prêt à freiner, tu redonnes shift, tu rebaisses en un en même temps, tu fais tout ça. Freiner avec les deux freins, déclencher, baisser en première. Ça lui donne de la grippe un peu, là. Ça revient à un demi ABS, si on veut, là. Faire ça. Et puis, lorsque vous avez terminé ça, vous, à ce moment-là, vous faites plus, vous mettez plus vos pieds par terre. Okay. Vous le faites, vous tenez en équilibre, puis là, vous le cassez le plus possible pour virer au 90. Tous les exercices que je vous dis, le virer sur une scène, puis être capable de la coucher à un moment donné, là, ouais. pour la faire frotter. Là. Il y en a qui sont capables de faire frotter les mofleurs, là, comme on dit. Mais, en tout cas, si on ne veut pas briser notre moto, il vaut mieux non, de pas non, essayer non, ça. Ça. Mais ça. D'essayer ça, de le casser complètement pour virer. Okay. C'est poussé au maximum. Là. La première fois, là, vous allez peut-être tourner là, là. On comprend? Ici, on est au 90. Ça. C'est le meilleur que vous pouvez faire. Mais tout ça pour vous amuser avec votre moto. Payez-y à la traite, allez-y, puis ça ne brise pas. Le pire qui peut arriver dans les exercices stationnement, ça se peut que vous l'échappiez. Mais si vous avez des barres de sécurité, des crash-bars, la moto ne se brisera pas. Puis de toute façon, à un moment donné, vous allez peut-être la coucher. Votre moto à terre, tu sais, fait que... Juste, c'est quoi une barre de sécurité? Comment? C'est quoi une barre de sécurité? C'est un équipement... Les crash-bars? Ah, ça, c'est juste en avant de vos jambes, les genoux. OK. C'est un arceau de sécurité. Un arceau. OK, OK. Ouais, l'arceau de sécurité. Là. Lorsque la moto tombe, bon, elle va à côté là-dessus, normalement, plutôt que se rendre au guidon. Oui, oui, puis accrocher le rétroviseur, fait que... Okay. Puis si vous avez... Ça pourrait vous protéger d'un objet. Il y a eu une fois que j'ai une amie, un couple d'amis à moi, qui faisait du bateau, puis bon, faire une histoire courte, le bateau est en réparation pour l'été, là. Il changeait à poignée avec la peinture et les rideaux. Une grosse job, une grosse chaloupe, une très, très grosse chaloupe, 80 pieds de long. Et puis là, il n'y avait plus rien à faire, eux autres font du bateau tout le temps. Fait que là, ils s'étaient acheté deux motos, puis du bouche-oreille, il y avait eu mon nom pour leur donner des cours de moto. Okay. Eux autres avaient les classes de permis. Mais...
À ce moment-là, je peux donner des cours même de base parce qu'ils ont déjà leur classe de permis. Alors que pour obtenir la classe de permis à la SAC, vous êtes obligé d'aller à une école de conduite. Moi, ce que je donne en gros, de toute façon, c'est de la technique de conduite avancée. Il faut déjà que tu en saches. Mais je suis capable de donner la base. J'avais fait ça. Puis la dame, lors d'un voyage aux États-Unis, c'est au Texas, ça, je crois, elle a traversé une ville, un village, elle a sorti d'un village. Et puis, il y avait une auto qui s'en allait avec une remorque et puis il y a un pneu. La roue de secours avait tombé en bas de la remorque. Et puis, c'est venu la frapper carrément là. OK. Puis, elle avait juste fini à terre. Elle avait eu le temps de le voir. Elle avait freiné un peu. Ça a frappé. Puis, zéro dommage, zéro blessure. Si elle n'avait pas eu ça, là, je peux vous dire que... OK. Fait que c'est un élément important de sécurité qui fait le fun. Il est là. De toute façon, c'est du chrome. Fait que quand on parle motocycliste... Et puis, chrome, il n'y a pas de problème. D'habitude, là, les motocyclistes de chrome, ils ont beaucoup de budget. Si on parle de sécurité, c'est plus difficile à passer, des fois, à passer, à choisir entre le morceau de chrome à 300, puis un petit peu de sécurité. Bon. En terminant avec le panneau, je voudrais juste vous demander une question sur le dernier exercice. Dans le fond, ça pratique le fait de freiner... quand on va vite, peut-être le plus rapidement possible à une intersection. Mais est-ce que justement, ça prend, pour un motocycliste, soit d'expérience ou pas d'expérience, est-ce qu'on doit vraiment décélérer le plus rapidement possible? Comment on peut faire ça pour que ce soit un freinage optimum? On va revenir là-dessus? Tard. OK. Oui, oui. Parce que quand on freine comme ça, là, je vous ai dit tout à l'heure, là, moi, par réflexe, là, il m'avait coupé puis j'ai tout jamais. Là. Ouais. Bon, il y a un danger à ça. Ouais, c'est ça, on va c'est en bon. Parler d'un autre tableau, parce que je peux me faire rentrer dedans par un autre en arrière. Ouais, mais dans la situation que je vous ai exposée tantôt, si tu y vas par réflexe, là, ça a parti tout seul. De toute façon, tu rentres dedans. Tu n'as pas le temps de commencer à penser, mais dans les freinages brusques, on va en parler ultérieurement d'un autre tableau. Tantôt, on se parlait avant d'entrer en onde que aussi les enfants, il y a une particularité quand c'est un passager enfant, parce que c'est peut-être moins pesant. Oui. Ça, il y a. La SAC a des. Elle oublie des points majeurs, là, qui. C'est quasiment impensable, là, qui ne modifient pas la loi pour ces choses-là. Concernant les enfants passagers, tout ce que la réglementation dit, c'est que l'enfant passager, il est supposé avoir les jambes assez longues pour avoir les pieds sur les appuie-pieds. C'est tout. OK. Ils disent pas autre chose. Bon, on sait par habitude que normalement, le banc du passager a une ganse, si on veut, là. Oui. Il n'y a pas de ceinture de sécurité. Fait qu'à ce moment-là, d'avoir un passager enfant, là, il n'y a pas plus de règlement qu'avoir les pieds, là. Puis j'en ai vu de toutes les sortes. Il y a des fois, là, le papa, il est assez rondelet en avant, puis le petit gars en arrière, il est pas bien grand, puis il a beau se tenir après son père, là, il fait juste être à côté dessus, parce qu'en fait, il sera pas capable de faire le tour. Il n'y a aucune réglementation là-dessus. Okay. Peu importe la grandeur, peu importe l'âge, il n'y a rien. Par contre, il y a des concessionnaires d'équipements de moto qui vendent une ceinture de sécurité. Je ne me souviens plus vraiment le nom, là. Je pense qu'il y a juste une compagnie qui en fait. C'est un peu comme un tube là, qui vous éloigne un peu du pilote. Le pilote a une ceinture et l'enfant a sa ceinture. C'est merveilleux. Okay. Il est accroché après son père ou sa mère, puis c'est excellent. Parce qu'en arrière, il peut glisser. Il ne faut pas se tromper. Ouais, c'est une distraction. Et puis si, entre autres, il n'y a pas de gaz, parce qu'il peut avoir une moto... qu'il l'a pas, la ganse, ça n'a pas été enlevé, il n'y en a pas. Lui, là, il va essayer de se tenir en avant, c'est zéro. La ceinture qui se vend, là, je pense que c'est moins de 200 $, là. Il n'y a pas de prix pour les enfants, là. Mm. Pour tout le monde, là, mais en tout cas, les enfants, là, il n'y a vraiment pas de prix. Si tu traînes un enfant en arrière, fais ça. Il ne faut pas oublier, là, que à l'air pur, assis sur une moto, ça s'est déjà vu pour les moments. J'ai vu des moments qui piquent un petit somme, des fois, là. À côté, c'est le chum en avant, là, puis il faisait un petit somme, puis ça allait bien. Mais un enfant, si par hasard, vous roulez, puis il s'endort, puis c'est pas long à l'air, ça peut prendre 15 minutes, une demi-heure, il peut s'endormir puis tomber. Fait que la ceinture qui se vend là, pour tenir un enfant à l'arrière d'une moto, c'est primordial, c'est essentiel.
Je ne comprends pas que même là, avec la refonte du Code de la sécurité routière qui a été récemment faite, 2-3 ans, qui n'ait pas inclus ça, ça se vend. Tu l'obliges. Il oblige bien les coussins gonflables, il oblige les ceintures de sécurité dans l'auto. Pourquoi pas l'obliger pour un enfant de telle grandeur et de tel poids? Parce que pour la moto, il n'y a rien. Par contre, l'enfant passager, je vais vous l'emmener dans un véhicule qui serait moins dangereux, une moto avec un sidecar. Oui, à côté. Hein, ouais. Ça existe de temps en temps. Ouais, ouais. Pour cet ensemble de véhicules-là, ils ont trouvé moyen de demander aux enfants d'avoir la grandeur d'un 1,45 m. 1,45 m, là, on n'est pas d'un bébé de 5 ans. 1,45 m, c'est à peu près à mes épaules. Ça. C'est ça. Et puis, 1,45 m, et puis, il faut qu'il y ait 9 ans et plus. S'il y a moins de 9 ans, tu ne peux pas le mettre dans le sidecar à côté. Fait que tu auras un sidecar, mettons que tu auras fait l'ajout de mettre une ceinture, puis le casque, puis tout ça, puis il n'a pas le droit. Par contre, assis en arrière de ses parents, il peut glisser, s'endormir, n'importe quoi. Il a le droit. OK. Valmont, en terminant ce chapitre-là, en terminant notre émission numéro 2, j'aimerais qu'on parle un petit peu du... On voit souvent les motocyclistes arriver à des intersections, comme dans l'exercice numéro 6. Et il y en a certains qui mettent le pied à terre, d'autres non. Aussi, quand les motocyclistes sont en groupe, bien, souvent, on a tendance à voir les quatre motocyclistes à se dépêcher à passer pour rester en groupe. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette situation-là. OK. Bon. Elle est touchée un peu, celle-là. Là. OK. Tu dis qu'en fait, ce que la loi demande, c'est de faire un arrêt complet. OK. Fait que ça s'arrête. En théorie, tu n'as pas besoin de mettre les pieds à terre. OK. Tu peux tomber sur un policier qui va venir te dire « faut que tu mettes les pieds à terre ». C'est non. Faut que tu fasses un arrêt complet. Mais on comprend que celui qui va faire ça, il est habitué de faire de la moto. Espérons qu'il a tout vu, puis il connaît le coin. Il sait qu'il y a des stops sur les quatre faces, là. Bon. Je vous dirai pas que je l'ai jamais fait, là, mais il faut vraiment tout voir puis tout. Fait que ça prend quelqu'un là, qui en fait beaucoup puis est habitué. L'idéal, c'est certain, c'est de mettre les pieds à terre. Préférable. Faire son stop d'ordre. C'est préférable. On y va au max. Là. Je vous parle de sécurité. On va dire mettez vos pieds à terre, mais vous ne seriez pas théoriquement en infraction parce que vous avez fait votre arrêt. Puis lui, vous êtes comme mon chum, là, qui s'allumait une cigarette là, dans les courses à tortue. Là, il allait vite, là, il était champion. Lui, je suis certain qu'il n'avait pas besoin de se mettre les pieds, puis il repartait avec ça, puis il n'y avait pas de problème. Fait que quand on est en groupe, c'est préférable de vraiment tout le monde faire un arrêt, s'assurer que les quatre vont suivre, puis que la voie est libre pour que les quatre puissent passer, mettons. Là. Oui et non. OK. Ça, c'est pas détaillé. Encore là, si vous êtes... Le seul endroit où vous avez le droit d'être côte à côte avec deux motos, c'est lors d'un arrêt. Okay. Mettons, vous êtes en zigzag, vous arrivez à l'arrêt. Là, vous êtes côte à côte et vous allez repartir. Mais vous n'avez pas le droit de rouler côte à côte. Mais on voit souvent que si vous êtes juste deux, les deux vont repartir en même temps. Et puis, dans la première longueur, tu décales. Ils vont s'en placer. Lorsqu'il parle de zigzag dans le règlement, c'est zigzag. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Il ne donne pas de distance. On va en parler dans un tableau plus loin. Okay. Et puis, bon, c'est touché. Vous, vous dites, ils sont quatre. Ils arrêtent, ils font le stop, puis ils redécollent. Ordinairement, c'est des voies avec quatre stops. Bon, il y en a qui vont prendre une chance. Ils sont assez proches que c'est à peu près la longueur d'un auto. Fait qu'ils vont repartir. Je vous dis pas que vous avez le droit. Si vous faites intercepter pour ça, il peut y avoir de la discussion, puis il va dire, ben, fallait plus, puis... En tout cas, en donnant des explications, mais tu sais, l'idéal, c'est peut-être de le faire à deux. Vous repartez, puis les deux autres après. Mais il y en a que ceux qui sont habitués de rouler ensemble, ils vont se coller. Et puis, il y a l'autre chose aussi, il ne faut pas se le cacher, là. Il y a des automobilistes, là, quand ils voient des motos, là, ils ne passent pas dessus. Là. Je ne dis pas qu'ils font exprès, non. Ordinairement, ils ne nous voient pas quand on a des accidents. Mais il y en a que ça leur donne quasiment à zérer là, de voir des motos. Fais pas de gaffe, là. Puis si tu pars à quatre, là, déjà, là, lui, dans sa tête, il n'y en a rien que deux qui vont partir, puis l'autre n'a pas d'affaire à faire ça. Tu sais, il y en a beaucoup qui s'inventent des règlements, ou bien ils ont une agressivité qui est latente, là, puis
Là, ça, il y a une montée de l'Est, il va y faire une affaire de même, fait que ça peut amener des problèmes. Nécessairement, si vous êtes une gang, là, vous allez passer par section. Là, vous ne pourrez pas, si vous êtes six, on part les six. Là, non, parce que, ça va arriver. Il y en a dix, là, on comprend, ils ne partiront pas les dix, mais on baisse jusqu'à quoi? On baisse jusqu'à deux, jusqu'à quatre. À six, là, déjà, je pense que je ne vois pas avec ça, là, c'est trop. Là. Il nous reste une minute, Valmont, que tu nous parles de l'importance de faire ces exercices-là avant le début de la saison. Ah, c'est extrêmement important. Non seulement en début de la saison, mais lorsque vous avez une nouvelle moto. Une nouvelle moto, c'est une nouvelle moto. Moi, j'ai déjà essayé, justement, dans le cadre de la formation à l'Institut de police de Nicolette. Bon, on avait toutes des motos qui étaient de la même marque puis de la même année. Puis tu changeais d'une à l'autre, là, puis tu t'en apercevais. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la mienne, celle-là. J'aurais pas eu besoin de regarder le numéro. Fait que ça. Je vais terminer. C'est vrai. Le petit détail, oui. Le petit détail. On n'oublie pas qu'une moto, ça tient sur deux petits morceaux de caoutchouc. Okay. On va en parler un peu plus loin tout à l'heure. Là. Le sable, la pluie, tout ce qui est glissant, c'est dangereux. N'oubliez pas qu'un pneu de moto, là, ça, c'est tenu en avant. Puis ça, c'est tenu en arrière. C'est pas plus grand que ça, la surface d'adhérence. Okay. Pas besoin de vous dire que tout à l'heure, on va l'élaborer un peu plus, là. Les dangers que ça représente. Il y en a un des deux qui échappe, vous êtes à terre. Vous êtes blessé, vous êtes en chaise roulante, ou vous mangez puis sans par la racine. Faut pas l'oublier, ça. Effectivement. Valmont, on s'en voit dans la semaine prochaine pour un autre épisode. C'est merci. Beau. Bye.